Alors que la fête de Qingming, la fête des morts chinoises, approche à grands pas, le souvenir de ceux qui ne sont plus là se fait de plus en plus intense. En Chine, depuis les temps les plus reculés, les poèmes qui évoquent les souvenirs sont innombrables. Aujourd'hui, le premier plat que nous allons faire a un rapport direct avec ce genre poétique, puisqu'il s'agit d'un plat évoqué dans un poème célèbre et qui porte en outre le nom de celui qui l'a composé. Ces jolis carrés de viande bruns et brillants accompagnés d'un riche fumet n'est autre que le porc Dung Po. Mais qui veut manger des délices doit d'abord trouver l'expert qui saura les lui donner. Justement, notre enquêtrice du goût l'a trouvé en la personne de Monsieur Tong. Son porc Dung Po est en effet exceptionnel. Il est vrai que sa sauce secrète lui donne une saveur bien meilleure. Mais ce n'est pas là l'essentiel. Y goûter, c'est tout simplement redécouvrir la viande. 今天我知道做这个东坡肉啊，我特别高兴，因为是我非常崇拜的一位词人，苏轼。他的这个创作，我们知道这个东坡肉呢是在他被贬谪之后啊，对美食呢情有独钟啊，回归田园的一个创作。那咱们的这个梅州东坡肉啊，跟别的地方有没有什么不同之处呢？它特点在什么地方？首先是这个口味啊，我们就是进行了一个和全国各地到处的做这个东坡肉，口味上一个改良。 Lorsqu'on veut faire du porc Dung Po de qualité, on ne saurait négliger le choix de la viande. Les différentes couches de gras et de maigre devront se distinguer durant la dégustation. Chaque partie maigre doit être infiltrée de gras. Chaque morceau de viande doit exactement mesurer 4,5 cm de côté si l'on veut qu'il s'imprègne mieux de la saveur et qu'il corresponde aux critères d'une nourriture saine. Des morceaux plus gros feraient grossir, des plus petits frustreraient les gourmands. Aussi, des carrés de 4,5 cm de côté paraissent le meilleur choix possible. Mais pourquoi forcément un cube? Et qui plus est, un carré dont l'un des côtés est recouvert de peau. Monsieur Tong nous explique qu'il faut soi-même la couper pendant la dégustation. De plus en plus perplexe, notre enquêtrice n'a plus qu'une envie, en faire elle-même l'expérience dans l'espoir de comprendre. Hey, 我怎么能感觉到它那个皮儿不要切断呢？我有点感觉不到啊。 哎，这个真的很不容易。我开始以为啊，就是能够很快、很敏锐的感觉到这个肉皮的地方。它的肉是生肉，但是其实感觉不到，所以还是要靠您的这个经验哈。我就有点这个梯形的感觉了，是吧？师傅切的，你看正方形，还是有差距。多做几次就可以了，在家里多做。好，我回去到自己厨房练去。 Monsieur Tong nous explique qu'avec une petite trempette dans l'eau froide, afin d'éliminer le trop-plein de sang, la viande ne peut que gagner en qualité. Pour avoir une nourriture plus saine, le porc Dung Po de Monsieur Tong doit passer par trois étapes. Anti-gras. Primo, en l'ébouillante, mais n'allez pas croire qu'il suffit simplement d'enlever l'écume. Il faut encore laver chaque carré de viande à l'eau froide. Monsieur Tong est quelqu'un de très exigeant. Le moindre interstice doit être propre et même la peau doit être raclée. ，然后呢就是把这个，放在我们这个老汤，这是我们秘制老汤。秘制老汤，你悄悄跟我说，透露一下，这里边都有些什么？实际上在家里做吧，就是一个简单的做法，就是加了个姜葱啊、酱油，姜葱、大料，然后炒一下，然后放点酱油，放点糖色，也是差不多的。就但是这我，你还没有说完吧？你还有秘制调料吗？没，我们这个汤上也没什么特殊的，就主要是时间，就是每天，我们都是每天用这个汤，但是每天这个保护的特别好，包括洗肉啊，还包括什么用什么骨头啊、鸡啊去。 吊这个汤，就是这个汤是特别鲜，特别浓的一个汤。然后我们把这个肉，放在里面，然后煮40分钟。就是皮的面要朝下，肉的面朝上，这是也是有讲究的，对吧？这个主要是上色更好看一些。苏东坡他当时总结了一个做肉的一个窍门，少着水，慢着火，然后火候足时，它自美。 少的水，就水要少。火要小。对，火候足时，它自美。就是时间够的时候，它就自然就会呈现出。功到自然成了。Suivant à la lettre les recommandations de Su Dung Po, notre viande de porc embaume à la ronde, après avoir seulement mijoté 40 petites minutes. Si l'on a coupé la viande en carré, c'est pour empêcher qu'elle ne s'effiloche durant la cuisson.
Quant aux endroits qui restent attachés, comme ils ont eu un contact prolongé avec la marinade, ils ont pu s'imprégner de la saveur d'une manière plus rapide et plus complète. Voilà donc la deuxième étape terminée. Wow,这实在是太香了，太诱惑了。减肥那是明天的事儿。今天服务员给我来碗米饭。哎，这会儿还等一会儿，这只是一半的工序。 Mais juste avant que la viande ne soit cuite à la vapeur, voilà que notre enquêtrice découvre l'arme secrète de l'assaisonnement, une sorte de piment de cayenne. Après avoir été pilé, le piment est sauté avec de l'huile de graines de camélia et des haricots fermentés, ce qui donne une sauce pimentée qui aura la vertu de réduire le gras tout en renforçant la fraîcheur. Décidément, on dirait que tout est fait pour exciter la curiosité de Ding Xi. La feuille de chou peut être considérée ici comme une protection naturelle, puisqu'elle empêche la viande de perdre sa teneur en eau, ce qui la ferait noircir et durcir. De plus, le chou renforcera son arôme. 所以要盖一个蔬菜坛子，对对对，保护它的啊。对对对。哦，那就可以上蒸笼了，有点烫啊。好。这要蒸多长时间呢？蒸一个半小时。这么久？对对对。不会蒸化掉了吗？哦，有那个白菜坛子。对，白菜坛子。Ce Dong Po passait sa vie à vadrouiller, mais ses incessantes pérégrinations ne l'ont pas empêché de se dévouer corps et âme à la recherche culinaire. Et ce, avec un souci toujours constant de la minutie. Un tel esprit ouvert et optimiste se retrouve forcément dans la saveur du porc Dong Po. Après la troisième et dernière étape, le porc Dong Po va enfin pouvoir être servi. Avec une jolie couleur brune et un moelleux exquis, voilà que tout s'éclaire et que nous comprenons la raison pour laquelle la peau n'a pas été préalablement coupée. En effet, rien de plus facile à présent que de détacher les morceaux d'un simple coup de baguette. Outre sa saveur exquise, ce plat de porc Dong Po permet également de se remémorer l'attitude du grand lettré face aux adversités de la vie. Lui qui a toujours fait preuve d'une grande ouverture d'esprit et d'un détachement peu commun. Sa manière d'appréhender la vie reste, 1000 ans après sa mort, un exemple pour nous tous. Mais peut-être pensez-vous qu'il n'y a eu que Su Dong Po à avoir ainsi sublimé la viande de porc. Suivons à présent notre nouvel enquêteur, Zhang Guanran, vers le cœur de Dali pour voir ce qui s'y trouve. Un fumet de porc auquel personne ne pourrait résister. Dans le vieux village de Dacheng, on a su préserver des coutumes ancestrales. Il existe par exemple ici une façon de cuisiner le porc qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Les anciens du village indiquent à notre gourmet de service une famille locale qui s'apprête à tuer le cochon. Apparemment, la spécialité originale que nous avons si ardemment cherchée va nous être révélée. Jadis, tuer le cochon pour le nouvel an était une coutume suivie de tous. Mais de nos jours, même dans un village aussi traditionnel que Dacheng, rares sont ceux qui tuent encore eux-mêmes le cochon. À Dali, et au contraire de ce qu'on fait d'habitude dans le reste de la Chine, on n'ébouillante pas le cochon qui vient d'être tué, mais on le recouvre de paille de riz et on le fait rôtir à petit feu.
Il y a aussi une division du travail intéressante. Certains attisent le feu avec leur vent, tandis que d'autres tisonnent la paille qui brûle. Et voilà que toute la surface du cochon est carbonisée. Nouvelle étape, on racle les poils et la peau noircie du cochon à l'aide d'un couteau. On retire le cochon, et tout un art, car la maîtrise de la cuisson est de prime importance. Après un travail bien fait, les poils s'enlèvent avec la racine, sans pour autant que la peau se soit abîmée. Peu à peu, voilà que le jour se lève. La maîtresse de maison nous apporte notre petit déjeuner tout chaud. Je prends la tagée. Oh, Adi, ce que tu sais, c'est que nous sommes en train de faire. C'est ça. Oh, c'est bien. Tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps. Le sang de porc servi chaud est salé et pimenté. Le manger de bon matin réchauffe bien l'estomac. C'est vraiment un petit déjeuner frais et tout à fait particulier. Après l'avoir rôti, raclé et lavé plusieurs fois d'affilée, l'animal présente une belle couleur dorée et embaume à la ronde. Aurions-nous découvert ici le secret de la peau crue de Dali ? Selon la coutume locale, la famille qui tue le cochon doit inviter tous les villageois à le manger. Mais avant le repas, il y a encore quelque chose d'important à accomplir. Faire des offrandes à Bunzhou. En effet, pour les Bai, Bunzhou est un esprit qui protège leur village et qui préside aux événements aussi bien heureux que malheureux. À chaque fête importante, les vieilles femmes psalmodient des textes sacrés. Les jeunes filles revêtent de beaux costumes et exécutent des danses traditionnelles. Et les villageois apportent des offrandes au temple de Bunzhou pour implorer l'esprit protecteur et leur donner la santé, une météo clémente, un cheptel prospère, des récoltes abondantes et la paix universelle. Après avoir fait des offrandes à Bunzhou, on va enfin pouvoir découvrir le secret tant attendu de la peau crue. Comme son nom tendrait à l'indiquer, il s'agirait bien de peau de porc non cuite. Pourtant, après avoir fait griller le cochon et l'avoir bien nettoyé, notre bel animal tout doré a en fait une peau qui n'est cuite qu'à 70%. Quant à la viande, elle n'est cuite qu'à moitié. Ce qu'on appelle donc la peau crue de Dali n'est en réalité pas si crue que cela. Ensuite, il suffit simplement de couper la peau en petits morceaux. Mais pour que cela devienne un mets de choix, il est nécessaire d'y adjoindre une sauce bien particulière. Oh,
La prune cuite donne à la sauce une saveur aigre. Mais pour obtenir cette saveur ineffable, encore faut-il s'armer de patience. Lorsque c'est la saison des prunes, les bailles les cueillent encore vertes et les mettent dans des pots de terre cuite avec de l'eau et du sel.